présentement, c'est en train de changer. La nation métisse, en général, vit une crise au Canada. Oui, oui, j'ai vu la ça. La nation métisse de l'Ontario, Métis Nation Ontario, ont reconnu cet hiver six nouvelles communautés dans le nord-est de l'Ontario. Des gens qui se disaient métis. Ils ont reconnu la Métis National Council a refusé de reconnaître que ces gens-là étaient des métis parce que les seuls métis, ce sont les métis de l'Ouest, les anciens voyageurs et chasseurs de bisons. Donc, ils ont exclu la nation métisse de l'Ontario de leur association. Et présentement, les nations métisses de l'Alberta, de la Saskatchewan, veulent également se séparer du ralliement national métisse. Donc, ce qu'on va voir dans l'avenir, ça va être surtout des droits provinciaux. Le gouvernement va traiter directement avec les métisses des provinces plutôt qu'avec les métisses qui représentent les quatre provinces de l'Ouest. Donc, il y a un grand changement qui s'en vient à ce niveau-là. Culturellement, les affaires de culture, les métiers, ils ont parti du Québec. Là. Les voyageurs, c'était tous des Québécois, on va dire, de la province de Québec. Et ils sont venus dans l'Ontario et au Manitoba. C'est des voyageurs qui se sont mariés. Mais culturellement, est-ce qu'ils sont pareils ou différents que les métiers de l'Ouest? Encore là, il ne faut pas oublier, il y avait beaucoup d'Écossais aussi qui venaient des îles Orcades, Orkney Island, des Orcadiens qui étaient aussi des voyageurs. Donc, il y a des métis écossais aussi dans l'Ouest. Encore là, si on joue sur la différence, la similitude, les voyageurs, ils travaillaient pour deux compagnies. C'était soit la compagnie du Nord-Ouest, qui, eux, était à l'intérieur des terres, et la compagnie de la Baie-du-Son, qui restait au littoral. Dans les années 1800, début du 19e siècle, ils vont se livrer une bataille très féroce au cœur du continent, dans l'Ouest canadien, et c'est la compagnie de la Baie-du-Son qui va gagner. Donc, elle va englober la compagnie du Nord-Ouest. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment de différence. C'est juste que les métis qui travaillaient pour les deux compagnies vont maintenant travailler uniquement pour la Baie-du-Son. Et lorsque la Baie-du-Son va vendre la terre de Rupert, qui est tout le bassin versant de la Baie-du-Son, c'est un territoire immense qui couvre une partie du Québec, le nord de l'Ontario et les provinces de l'Ouest. Tout ce qui est le bassin, ils vendent ça au Canada. Et il y a juste dans l'Ouest canadien que les métis vont être reconnus en tant que tels. Pour des raisons historiques, c'est qu'ils se sont rébellés. Ils ont fait ce qu'on appelle une rébellion dans l'histoire qui, en fin de compte, est une résistance. Ils ont résisté, ils ont fait un gouvernement provisoire. Donc, les historiens ont beaucoup plus écrit sur ces métis-là, parce qu'ils sont entrés dans l'histoire avec une résistance armée. L'histoire se reproduit à Batoche après, en 1885. La même histoire se reproduit à Batoche. Donc, on avait des traces écrites. Tandis que les métis qui étaient en Ontario, au Québec, ailleurs au Canada, on a très peu écrit sur eux. Il y a très peu de sources historiques qui nous permettent de connaître s'ils avaient une culture distinctive, qui ils étaient. C'est surtout une tradition orale que ces gens-là ont. Et ils savent qu'ils ont une identité distinctive, qu'ils sont différents des Canadiens français, oui, qu'ils sont différents soit des Franco-Ontariens ou des Québécois, qui sont pas non plus, qui sont différents aussi des Indiens. Oui. Ils sont oui, ni oui. Indiens, ils sont ni blancs, ils savent qu'ils sont d'ascendance mixte, qui ont de l'Indien dans la famille. Et souvent, c'est des communautés, c'est un milieu souvent régional, assez isolé. C'est des communautés très fortes qui se connaissent. Donc, depuis parler, ils ont vu qu'ils avaient, ils partageaient ce même type d'identité de cette communauté-là à Sault-Sainte-Marie et ils ont voulu avoir des droits. Oui. On est de retour à CFRH, à 88.1 106.7 avec Denis Gagnon et on continue sur le même sujet. On continue, mais Denis, qu'est-ce qu'on peut dire du Québec et des provinces maritimes et les métis? Est-ce qu'ils peuvent se changer ou comment ils pourraient s'établir vraiment comme identité métisse? Déjà qu'il y a des groupes, il y a des communautés, il y a des associations qui s'identifient comme métisses. C'est à eux de s'organiser. Oui. Mais
tu n'as pas besoin d'avoir des droits selon l'article 35 pour être métis. C'est peut-être ça qu'il faudrait comprendre, et que c'est pas par le juridique qu'on peut arriver à être métis. C'est une identité, c'est le politique. Donc, politiquement, ils peuvent s'organiser, faire des associations, aller chercher des membres. Il y a même un groupe au Québec qui ont fait un parti politique autochtone, maintenant, pour les Premières Nations, les Métis, les gens d'ascendance mixte, et même les gens qui ont une sympathie aux causes autochtones. Donc, politiquement, il y a plus de possibilités de faire avancer les droits de ces groupes, de ces communautés, qu'au niveau juridique. Parce que l'identité métisse, elle est très complexe et elle peut être abordée selon différents angles ou différentes perspectives. On a vu tout à l'heure un peu une perspective historique. Il y a une histoire un peu dominante, c'est celle des Métis de l'Ouest, mais j'ai identifié environ 5 types d'histoires rivales au Canada, où les gens se disent métis et ils ont une histoire qui est différente de celle des Métis de l'Ouest, et ils veulent que le Canada tienne compte de leur histoire, de leur ascendance. Ensuite, tu as une perspective qui est politique. Quelles sont les relations entre le Canada et les Métis depuis la Confédération et même de la colonie avant la Confédération? Quelles sont les relations avec le politique? Comment politiquement on peut définir le Métis? Quels étaient les enjeux politiques qui touchaient l'identité métisse depuis les années 1820 au Canada? Ensuite, il y a une autre perspective qui est la perspective juridique devant les tribunaux. Ce sont eux qui vont faire des arrêts obligeant le gouvernement à tenir compte de cette identité. Et donc, on a aussi une perspective qui est la perspective culturelle. Qu'est-ce que c'est qu'une culture métisse? Il n'y en a pas une. Il y a peut-être une culture métisse avec un C majuscule en tant qu'individu descendant de communautés d'ascendance mixte. Et il y a différentes cultures métisses. Il y a des cultures métisses qui étaient pêcheurs. Si on prend à Saint-Laurent, au Manitoba, c'était des pêcheurs, ils faisaient de la pêche. Ailleurs, aussi dans les Maritimes, beaucoup étaient des communautés pêcheurs. Ensuite, on a ces métis chasseurs de bisons qui se voudraient les seuls métis au Canada. Donc, territoire du Nord-Ouest, culturellement, c'est différent aussi. Ça ne les empêche pas d'être métis, de se dire métis. Donc, les perspectives historiques, culturelles, politiques, juridiques ne sont pas nécessairement interreliées. Parce que, au niveau juridique, la définition du métis depuis l'arrêt Daniels en 2016, elle est très différente de la définition historique et culturelle des métis que donnent les métis de l'Ouest pour savoir qui est métis. Ils se veulent les seuls métis du Canada. Elle est différente de la définition historique et culturelle des métis des territoires du Nord-Ouest qui sont passés par la rivière Rouge et qui ont continué leur chemin avec les compagnies de traite jusque le long du mécanisé. Elle est différente des métis du nord-est de l'Ontario et aussi de ceux qui sont dans l'ouest du Québec. Des fois, les mêmes familles sont séparées par la rivière des Outaouais, et d'un côté, ils sont reconnus comme métis en Ontario, et leurs parents au Québec, du côté de la rivière, ne sont pas reconnus comme métis. Et ça ne les empêche pas de partager la même identité. Donc, c'est une identité qui est complexe, qui est à plusieurs niveaux, qui peut être vue dans plusieurs perspectives, et c'est assez difficile à maîtriser. Parce que les gens, habituellement, ils ont une vision qui est historique, et s'imaginent que leur vision historique a préséance sur les autres façons de caractériser cette identité. D'autres le voient uniquement de façon juridique, et l'histoire et la culture n'ont rien à faire là-dedans. D'autres le voient de façon politique uniquement. Il faut essayer de relier ces différentes perspectives sur l'identité métisse et de toujours revenir à cette vision communautaire. Être métisse, c'est quelque chose qui est collectif, c'est une communauté. Ça ne veut pas dire que tu as du sang indien ou un ancêtre qui est amérindien, ça ne fait pas de toi un métisse. Tu peux te dire métisse, mais ce n'est pas au sens communautaire dans lequel le Canada entend qu'est-ce qu'une communauté autochtone. J'aimerais juste saluer deux personnes à Hearst.
Oui. Je voudrais saluer Claudine Gauvin et Marc-André Lonval. OK. On est de retour avec Denis Gagnon, anthropologiste, professeur de l'Université du Manitoba, Saint-Boniface. En conclusion, oui. Donnez-nous un peu on va dire de... Je ne trouve pas le mot là, exactement, mais on dirait que la réconciliation entre l'Est et l'Ouest, ce serait comment, de ton opinion? La réconciliation entre l'Est et l'Ouest, disons qu'elle était... Il y a eu quelque chose de très intéressant qui s'est passé dans les années 2005-2006, lorsque Gabriel Dufault était président de l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba, la plus ancienne association métisse au Canada, fondée au lendemain de Batoche. Donc, l'Union nationale métisse, qui est pas reconnue par les métisses de l'Ouest, parce qu'ils parlent français. Parce que français, oui, exactement, oui. Oui. Et avec Gabriel Dufault, il avait fait un lien avec les métisses du Québec, et qui était assez fort. Il y a eu quelque chose de très intéressant qui s'est passé à cette période-là. Mais on dirait que suite aux défaites juridiques, les métisses de l'Est se sont un peu retirés, d'une certaine façon. Se sont un peu retirés et on est peut-être moins au courant de qu'est-ce qui se poursuit. Disons qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont inscrits dans ces associations-là, espérant avoir des droits autochtones de chasse et de pêche. Il y avait beaucoup d'opportunistes. L'opportunisme n'est pas une mauvaise chose, mais c'est des gens que leur identité métisse, ça a été, disons, une identité très rapide, toute faite en très peu de temps. Ils ont participé à une association, il y avait une arrière-grand-mère autochtone, et ils n'avaient pas vraiment cette culture, quelque chose de culturel en tant que métisse. Et c'est lorsque le juridique, ça a été un échec, c'est de voir qui sont ces gens qui se disent encore métis au Québec, dans les Maritimes, en Ontario, dans la Colombie-Britannique, dans les territoires du Nord-Ouest. Et là, on a affaire à un noyau plus intéressant au niveau de l'identité. Il y avait 30 000 personnes au Québec qui se disaient métis à l'époque du jugement Corneau. Oui. Aujourd'hui, combien qui en reste qui s'identifient encore comme métis? Il peut y en avoir peut-être 4, 5, 6 000, je ne le sais pas. Et ces gens-là, ils ne le font pas pour des raisons qui seraient d'opportunistes, d'avoir des choix, d'avoir des droits de chasse ou de pêche. Ils le font encore parce que c'est leur identité. Oui. Ils savent qu'ils sont différents, ils se savent métis et ils se reconnaissent dans cette identité pan-canadienne. Il y en a également aux États-Unis, en passant. Qui ont des noms canadiens-français, qui se disent métis, qui ne sont pas reconnus par le gouvernement américain, sauf dans le recensement. Donc, ces gens-là, ils célèbrent leur identité, leur communauté, leur culture. Et c'est ça que je trouve intéressant, et j'ai hâte de voir, justement, une certaine association qui pourrait émerger, non plus pour des raisons juridiques, mais pour des raisons politiques, de faire valoir des droits, pas en allant en cours, mais en votant. Et à ce moment-là, s'il y a peut-être une population de 15, 20 000 personnes qui se disent métisses, qui ont une association, s'il y a un parti politique, et qui vont voter, les gouvernements, les votes, ça les intéresse beaucoup. Oui. Donc, ce serait une ouverture qui leur permettrait d'avoir des droits, d'avoir une reconnaissance en premier, d'avoir un certain poids devant le gouvernement pour avoir une considération en tant que... Parce que de dire qu'il n'y a pas de métis au Québec de la part du gouvernement, c'est quelque chose qui est un peu fendant. Mm-hmm. De quel droit ils disent ça? Avez-vous fait les études? Avez-vous tenu compte? Est-ce que vous avez fait des entrevues auprès de ces communautés? Moi, c'est ce que j'ai fait sur une période de 10 ans. Quand il y avait des groupes qui se disaient métis au Canada, j'envoyais des chercheurs. Ils allaient faire des entrevues. On a plus de 300 entrevues. Et ces gens-là expliquaient qu'ils étaient. On a des traditions orales qui remontent aux guerres des années 1700, les gens ont une tradition orale très, très forte dans les régions au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Ontario. Et ces gens-là ont une histoire, mais elle n'est pas reconnue. Oui. Mais, elle n'est pas dans les livres, elle n'est pas reconnue, on n'en a pas tenu compte. Donc, moi, j'ai hâte de voir un peu ce réveil métis, non seulement parce que l'Ouest nuit beaucoup à la cause des métis de l'Est. Oui.
les métis de l'Ouest nuisent énormément à la cause des métis de l'Est en disant qu'ils ne sont pas métis. Oui, c'est quel droit qu'on a le droit de juger de l'identité de quelqu'un? Oui, comme ça, là, il y a un gros débat avec quelques personnes là, qui se passent là-dedans. Oui. Vous avez... au niveau académique, c'est très, très, oui. C'est très, très, très malsain. Il y a un livre qui va sortir à l'automne, le premier livre en anglais qui va être fait, qui défend la cause des autres communautés métisses au Canada, qui va être dirigée par Michel Bouchard de l'Université de la Colombie-Britannique. J'ai écrit un chapitre, ça va être mon premier texte en anglais. Moi, j'ai toujours publié en français. Oui. Je suis au Manitoba, il faut que je me protège. Les métisses de l'Ouest ne lisent pas le français, donc c'est une bonne chose. Ben, pouvez nous... ça va être un livre qui va être intéressant, et on a reçu une évaluation hier de l'ouvrage qu'on est en train de faire, et une évaluation qui dit que ça va être un ouvrage unique au Canada, qui présente une autre perspective sur l'histoire et la culture des métis canadiens. Ben, merci. Merci beaucoup pour avoir participé à notre programme aujourd'hui, puis j'espère que tu vas revenir nous parler. Très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. Okay. Bonjour à tous les Franco-Ontariens qui nous ont écoutés. OK. Merci beaucoup.